chaud dans notre collection d'ici ce soir. Faut tous parler, ça compte pour un, c'est ça? Ouais, tu parles sur le Commandant, mec principal et puis. qu'est-ce qui vous amène dans notre coin de désert? Notre coin pourri, L'épée ouais. de Balthazar. Il nous la faut pour vaincre Kral Katorik. Et le temps nous est compté. S'agit-il d'un golem pleinement conscient? Un scientifique d'Azura dans un corps de golem, en réalité. Et nous sommes pressés. Par l'arbre clair, comment fonctionnez-vous? Dites-moi tout. C'est que le temps nous manque. Pardon, pardon. Eh bien, si c'est après l'épée que vous en avez, la chance vous sourit. Pas le menu, pas le menu. Trajectoire. Regardez. À en croire les traces de l'explosion, Balthazar se tenait ici. Et puisqu'il était droitier, l'épée était orientée différemment. Et les formations cristallines indiquent que la tempête de Kral Katorik est venue de cette direction. Donc, par un simple calcul de trajectoire en fonction du temps, en théorie, l'épée aurait dû atterrir quelque part par là. Je vous attends au TP. Nous avons déjà envoyé quelques éclaireurs explorer la zone. Et vous êtes sûr que ah bah j'étais pas loin, dis donc. J'avais mis un point là où je pensais me rappeler que qui nous montre. Je ne vous demande qu'une chose. Quand vous en aurez fini avec l'épée, faites-en don au prieuré qui pourra l'étudier. Elle risque de. Vous savez quoi? C'est d'accord. Nous allons faire de notre mieux. Ouki-douki. Donc alors, d'après ce que je vois vers le sud, je vais te mettre un petit coup de map là, fais voir. C'est où? Ouah, c'est pas à côté. Ok, TP. Passe au promontoire de Jai. Ouais non mais stop m'agresser, vous... Je me casse, attends. C'est au passage devant toi. Ouais non mais j'ai vu où vous étiez. Vous étiez, pardon. Mais j'ai pas pu me TP parce que je m'étais fait aggro à ce moment-là. Est-ce que c'est bon? Bravo! Et qu'est-ce que t'as contre les gros? Bah qu'ils ont trop de A. Merde, il est où le TP? Il est là. Hop! Voilà. Croc, que j'aime pas cette zone stigmatisée de merde. Personne ne l'aime. Ouais, non mais je les comprends les gens. Trop... Quand tu regardes bien, la région est relativement vide. Hein. Mais oui. Non mais ils sont trop agressifs, je ne sais pas. Il y a des choses qui leur plaisent pas peut-être. Ah bah j'arrive, il pleut. Ah non mais sérieux. Bon voilà, chute est là, ouais. Ah non, c'était pas. Je pensais que c'était Meryl ça au début, mais non, c'est celle où je suis, je sais plus. Mais vu le nom, j'ai l'impression que c'est. Une meuf le perso. C'est celle qui était à côté de moi pendant le dialogue. Ah! Purée de pommes de terre. T'es fait sécher? Je me suis fait attaquer par les ennemis, ouais. C'est bon. Je peux remonter sur ma monture. Alors. Cherchez la zone. Cherchons. Ah oh ouais, mais on est en plein event de merde. Ouais, il y en a deux même. C'est bon, j'ai trouvé. Attends, t'es de quel point toi? Meryl. Attends, comment on fait? Là, donc, hop, je vais faire ça. Pas me faire chier. Ah merde, c'est pas le 3, c'est le 2. Trouvé. Bah moi aussi. Grimpe. Bonjour. L'épée. Vous devez vous lancer à sa recherche. Bah on fait quoi à ton avis? Je ne sais pas vraiment. On était en train de retirer l'épée de Balthazar du sable. Elle se trouvait exactement là où Néret nous l'avait indiqué. Ensuite, tout est devenu noir. Je me suis réveillé l'épaule en sang. Et l'épée n'était plus là. C'était ce tireur d'élite. Un tireur d'élite? Comme sorti de nulle part. Il nous a mis au sol avant même qu'on ait compris ce qui se passait. On aurait dit un fantôme, une ombre. Vous avez vu où il est parti? Il se dirigeait vers le sud-est, vers la garnison. Sud-est. Compris.
Rien ne peut jamais être simple, pas vrai? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Comme départ Nazar. Je sais pas ce que c'est un par Nazar. C'est une race étrange, très peu commune. On n'en croise pas souvent. D'accord. Un truc exotique. Ouais, voilà. C'est une fantaisie exotique. Ils traînent souvent à plusieurs en plus. Les salauds. Acceptez, acceptez, vous vous en foutez, acceptez, ça passe, ça passe. Bah tu crois quoi? Il est en train de se faire violenter par deux mecs en même temps. Acceptez, vite, acceptez. Je l'ai vu, j'étais juste derrière lui. Je veux pas crever si jeune. Très capable, mais à votre place, je ne m'y aventurerai pas. Tout le périmètre est bouclé à cause du tireur d'élite. Ah bah on se barre alors, c'est bon. Qui est ce type? Commandant. En fait, c'est une femme. Elle est en train de nous massacrer. Elle a répandu un gaz toxique dans toute la zone. Et c'est plus... je reste, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi non plus. Non, prêtresse. Bah oui. On dit... Apparemment, c'est quelqu'un de bon, donc... Dans ce cas, j'apporte mon soutien moral. Tiens, bouffe le fion de mon griffon. Alors moi, je tiens à dire, si tu, déjà... Si tu, eh, c'est pas la première fois. De 1... si ça avait été moi, celui qui t'a parlé, il t'a dit « je me suis pris un coup dans le bras », il serait pas là pour te parler. Il serait plus de ce monde. Ouais, elle a des micros. Oh là ! Oh, Butter, s'il va s'en prendre une, j'ai vu. Quoi, y a... regarde là-bas. Ah ouais, j'ai vu. Pleine tête. Mais je connais ce visage. Vous êtes le héros d'Amnou. Je m'en doute. On perd de la vie. Non mais faut sortir du gaz, les gens. Hein. Bah oui, non mais j'ai remarqué, t'inquiète pas. Mais c'est que 300, c'est bon, je tenais. Oh. Ah merde, j'ai une cible. On est ciblé. Vaincre la prêtresse. Vas-y, Butter, sonce. Moi je vais cheater. Bah franchement, ouais, c'est ce que je me dis. Hein. Oui, c'est foncé avec une mouche. On peut récupérer de la vie, donc... on doit la tuer en 7 minutes. Bah go. Allez, viens, on essaye de foncer ou pas? Ou ça passe pas? Vous devez être si fier, tueur de dieux, défendeur de dragons. Vous paradez, drapé dans votre héroïsme, sans songer aux conséquences de vos actes. Vas-y, pendant qu'elle vise Butters. Abandonné dans votre sillage de soi-disant dégâts collatéraux. Pendant 6 courtes journées, nous avons pleuré les défunts. 6 jours. Ensuite, nous avons reforgé leurs armes et sommes repartis au combat. Ouais, Quiette, tu vas mourir. Mais quand j'ai appris que son épée était ici, j'ai... Mais non, c'est dégueulasse. J'étais derrière le truc. Je tuerai... Ah, je suis à terre. Elle m'a tué. Oh non. Je vais essayer de survivre. Putain. Faut que j'arrive à sortir du gaz et je serai bon. Non, si elle me touche, je suis mort. Ah oui, je suis sorti du truc. Non, même pas. Je suis encore dedans. Votre visage m'est familier. Nous nous connaissons ? Non, vous ne savez rien de moi, de mon sacerdoce, de la famille. Ah, c'est bon, je suis en train de reprendre ma vie. Attendez, d'être full. Bah, j'arrive dès que je suis full. Voilà, histoire de... Attends, allez-vous ? Elle est encore au-dessus en vrai. Putain, j'aurais dû garder la monture. Ah ouais, je la vois. Hop, viens dé. Allez les copains, venez nous venger. Ah, t'as tiré dans le dos des gens. Hein. La crevure. Ah, corps à corps. Hein. Elle est où? Bah, elle s'est barrée. Elle a fait le grand saut. Elle est là-bas. D'accord. Elle a fait le saut de la foi. Mais non, ta mère. Grognasse. Aïe. Mais oui, je suis tombé de trop. Je suis encore mort. Attends, traversé direct avec le griffon. J'avançais bien. Non. Sors pas. Mais non, genre je suis tombé. Tu te fous de ma gueule? Je vais crever moi aussi. Oh, je vais crever. Je vais tellement crever. Ah, je suis mort. À côté de Meryl. Toi, tu
de reprendre de la vie parce qu'elle se concentre sur Ouais, mais elle était sur moi. Ah non, tu perds trop vite. Mes cicatrices n'étaient pas des marques de défaite, mais des symboles de survie. Ouais, bah non, c'est les rôdeurs, c'est lui qui va le plus vite de nous trois. Quel catin celle-là. Sérieux. Je vous ai dit que c'était... Wow, wow, wow. Je peux pas pop dans une dot. Et ben nous aussi, viens tuer quelqu'un à Trori, comme ça au moins t'as... Voilà, bah ouais, comme ça tu vas t'éclater avec nous. Tu vas voir, on se marre. Qu'est-ce qu'on se marre avec le pacte? On est vulnérable. Il nous reste 3 minutes 30 pour la tuer. Elle est repartie. Ouais. Elle est repartie là-bas. Ouais, mais encore plus loin. Mais non, mais dégage toi, mets des balles dans mon dos là. Ouais, mais comment aller loin? Non, je veux pas quitter. Non mais c'est dégueulasse. La raclure. Oh putain. Mais je t'ai dit, remets-moi de la vie. Bah ouais, qu'est-ce que tu fais toi? J'étais et suis encore complètement seul. Je suis encore mort. Oh, cette zone de pute quoi. Ouais, siffle les bougies. Là, putain, mais ah, merde, bordel, l'énergie, voilà, je suis mort. On recommence. Non, il y en a encore. Pff, ah bah non. Mais quoi? Mais non, il n'y avait pas le trait. Oh, c'est dégueulasse, il n'y avait pas le trait. Monsieur... Non, 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 son trait, il était carrément à gauche. Elle était en train d'essayer de me viser. J'avais le temps d'aller derrière le muret. C'est quoi cette baiserie? Ah bah, je suis mort. Aïe, aïe. Ah, mes ailes sont en feu. Elle m'a fait un noscope. Je suis sûr qu'elle... Oh, je suis mort aussi. Je suis sûr qu'elle t'a fait un 3-6 avant. Tu sais, genre, je me rappelle... Non, mais... Oh, le 75-4 dégâts pour m'achever. La meuf, elle te laisse même pas vivre. Elle t'achève direct. Ah, mais tiens, s'il reste 10% de vie. 14, allez, il a remonté un petit peu. 13. Va-t-il crever? Je pense que oui. Mais non. Regarde ce décompte. 10, 9, 8... Hein? Ah, 42%, ouais, mais il y a un décompte, regarde. Tu le sens le décompte au-dessus de ton cerveau? Ouais, t'as 1 minute 40 pour arriver là-bas et qu'on la tue. Bah ouais, mais je trouve pas les escaliers, alors est-ce qu'il y en a? Je crois pas. Ah putain, je crois qu'il faut que je prends un sapin. Un sapin, ouais. Ah non, il y avait une zone pour monter. Putain, quel con! Non, t'inquiète pas, on t'en veut pas. Ah voilà. Ouais, c'est pour ça qu'on t'en veut pas. Tu nous permets de nous TP direct sur Flash. Ouais, dégage toi. Je tente le coup. Tu tentes rien du tout, ouais. Tu te crèves et tu te la fermes. Allez. De toute façon, c'est à la fin. Normalement, c'est la fin. Non, non, non. Oh, la baiserie. Te sauve pas, oh, il restait 5%. Ah, il restait 5 ou 4%. Elle est où? Elle est au mieux. La. C'est donc la fin. Bah oui, crève et ferme-la. Je suis pas stupide. Ah, on l'a fait. Je bah sais oui. Que vous n'êtes pas responsable. Non, mais on a eu le succès, je veux dire. À quelques secondes près. Simplement accélérer les choses. Bah soit je l'ai raté, soit je l'ai pas eu moi, parce que j'ai rien vu. Je vais assouvir ma vengeance. Mais maintenant, je suis lasse. Ma lutte est terminée. Je suis prête à rejoindre ma famille. Allez-y. Vas-y, mangez-la, mes monstres. Non, c'était bien vous, dans la vision. Votre lutte n'est pas terminée, pas encore. Qu'entendez-vous par là? Ah ouais, c'est vrai qu'on la voyait, la snipeuse. Je ne peux pas ramener votre dieu. En revanche, je peux vous donner une chance de finir ce qu'il a commencé. Je réfléchis à un moyen de tuer Kral Katorik, sans pour autant perturber sa magie. Aidez-moi à aller jusqu'au bout, s'il vous plaît.
Un autre que vous m'aurait tout bonnement tué pour me prendre l'épée. Si je n'avais pas été ce que je suis, vous m'auriez tué. Et j'avais mieux à vous proposer. Nous reforgeons les armes des défunts pour transférer leur force. Alors, je vous laisse son épée. Pour ce qui est de mon aide, en revanche, nous verrons bien. Vous ne voulez donc pas vous présenter ? Je m'appelle Zafira. Quant à vous, je m'attendais à autre chose. Nom de famille, Opel. Oh non. Cool, j'ai l'épée. Sauf que je suis un archer, donc ça me sert à rien. Bah donne, moi j'en ai besoin. J'ai une spé espadon. C'est une épée, pas un espadon. Bah c'est pas grave, je peux, je peux prendre une épée. Parce que moi j'utilise des épées pour de vrai. Non, c'est un espadon. C'est un espadon ? Ouais. Voilà, donc c'est pour moi. Voilà, conflit réglé. Bah ouais, elle a une grande épée, regarde. Elle semble si inexpressive. Elle est inactive, exactement ce que je craignais. Pour attirer l'attention de Kralkatorik, il va falloir l'activer, façon de parler. Ouais, il doit y avoir un bouton comme les sabres laser. Par la magie, une magie puissante. Heureusement, nous sommes cernés par une stigmatempête colossale. Si vous y exposez l'épée... Non, idée suivante. Dites-moi donc, tout ce que vous avez Next. À faire, c'est vous exposer à la forme stigmatisante pendant 7 ou 8 secondes au maximum. D'accord, Butters. Ouais, c'est faisable. Il est vrai que j'ai un plan B. Il concerne votre ami, là, le revenant baraqué. Ritlock. Oh, vous voulez qu'on se serve de Sootin? Précisément. Je vais demander à Taimi de le contacter. Retrouvez-moi au refuge du soleil et nous remettrons cette épée en état de marche. Et pour votre gouverne, si ce plan échoue, vous vous coltinerez la foudre. Ouais, d'accord. Tant que c'est Butters, ça. Mais toi, toi, Meryl. Hein ? Au niveau du sniper, tu tires pas aussi loin que... qu'elle ? Je tire pas, c'est quoi ? Aussi loin qu'elle. Loin... Non, clairement pas. Voilà. Donc t'as pas le bon sniper. Elle est cheatée. Après tout. Mais, à votre mais place, non, c'est un, juste un bon sniper. Voilà. Non, elle est cheatée. Je sais pas si t'as remarqué, mais elle était à 2000 ou 3000 de distance en termes de points. Non, elle était super loin. Bah oui. Bah c'était le but d'un sniper. Ouais. Je veux bien. Mais elle est cheatée quand même. Oh, les mauvaises fois. Les mauvaises fois. Non, mais ce qu'il faut pas entendre vous quand on écoute... Vous en êtes pris une, vous en êtes pris une, voilà. Vous en êtes pris une. Ah, oh, je suis coincé. Bouge, merci. Attends, on est toujours dans la même zone ? Je ne sais pas, j'ai pas regardé la map, si. En fait. Si je ouais. vous dis... Acceptez. Non. Tu te fais agresser ou pas ? Ouais. Vas-y, vite, c'est chaud, là, je vais mourir. voyais... Non, mais en fait, je voyais Meryl devant moi se faire laseriser. Je prends Heureusement que c'était pas un bonhomme de neige, il serait déjà en gouttelette. Votre service de sécurité laisse à désirer. Lala. Cela signifie que vous êtes de notre côté ? Ça signifie surtout que je vous ai à l'œil. Vous et l'épée. Parti où, Meryl ? Déjà enfoncé là-bas où ? Ah oui, non mais lui... Ah bah moi, on me dit d'aller retrouver le groupe, je vais retrouver le groupe. Ouais, mais ouais, la sniper mais... nous a parlé. En fait. Ouais, on discutait. Oh, oh elle m'a foutu, ça me donne. M'en fout de sa gueule. Elle nous a donné une arme légendaire ça. Chacun. Nous, ça, comme ouais. ça nous intéresse pas, on n'est pas sniper. Hein. Voilà, on a dit un fusil légendaire, qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse ? De toute façon, les gars, on est dans une instance, si vous avez quelque chose, j'ai quelque chose. le truc, quand je fais le saut avec le chacal en sable, l'épée, elle disparaît pas en fait. Ah oui, oui, je la vois. Vous pouvez la rallumer ? Comment est-ce possible ? Votre nouvelle amie. Il s'agit de Zafira, ancienne maîtresse de Balthazar. Hein, cramons-le. Moi aussi, je suis ravi de vous rencontrer. Les présentations attendront. Nous devons allumer cette épée.
Redlock, à vous l'honneur. Ah, c'est maintenant qu'on va savoir si Butters il va devoir se mettre sous la foudre. Ça va bien ou bien? Oh, Butters, tu utilises la force! Non, je suis choqué. C'est le dieu de lumière. Ouais, ouais. C'est la force, et tu tenais la main en avant comme ça, et ça flottait. Elle est vivante, elle se barre. Elle est pétée, se barre. Mais vas-y, contrôle ta force, Butters. Je ne comprends pas. Balthazar n'a jamais mis les pieds ici. Mais Oren, oui. L'épée, le sang, à travers elle. Mais qui est votre dragonne, au juste? Quelqu'un qui a besoin de nous. À présent, entrez dans les brumes et fixez ce tracker sur Kral Kadoric. Bah oui, normal. Il ne veut pas retourner dans le monde des morts. Eh bien si, en fait. Si les stigmatisés sortent par des brèches, il est raisonnable de penser que l'on peut s'en servir pour entrer. Et atterrir au fin fond de je ne sais où? C'est notre meilleure chance. Fais gaffe, elle se rapproche dangereusement de l'épée, je suis sûr qu'elle veut nous carotte. Impossible, en tout cas. Je vous l'assure. Blish et moi avons exécuté des plans bien plus dangereux. Tu sais, fait des petits pas en arrière. Ouais, genre discret. Centimètre par centimètre. Ouais, l'air de rien. Tu m'as pas vu. Trouve un moyen de réparer les dégâts. J'y vais. Puis bon, une minute avant, elle te dit ouais, je suis pas votre ami. Ouais. Cette fois, tu restes en arrière. Quoi? Mon frère? Si tu crois que je vais rester là, les bras croisés pendant que tu fricotes avec un dragon ancestral. Le corps de golem me protégera. Mais s'il devait arriver quoi que ce soit, je ne me le pardonnerai jamais. Gorik, ce sera déjà assez difficile comme ça. Je n'arriverai pas à me concentrer si je m'inquiète pour toi. Tu sais que j'ai raison. Bien. Mais à ton retour, je veux un rapport complet. Avec des schémas. Marché conclu. Commandant, avant que vous ne partiez, pouvons-nous... Avec tout ce qui se passe, je n'aurai peut-être pas d'autre occasion. Parlez à Abraham. Ouais, mais faudrait qu'il s'arrête pour qu'on lui parle là. Ouais. Attends, il veut s'isoler. Alors, Bram, est-ce que t'avales toi aussi comme Butters? Tout va bien, Bram. Je voulais juste vous dire que... Eh bien... J'ai été stupide. Je le sais. Parfois, je ne réfléchis pas. Mais malgré tout ce que je vous ai fait subir, vous ne m'avez jamais abandonné. Enfin, vous auriez simplement dû me secouer un peu. Je l'aurais mérité, ça c'est sûr. Parfois, le chagrin nous change. Ce n'est pas grave. Si, c'est grave. Ce n'est pas comme ça qu'on traite sa famille. C'est ce qu'on forme, vous et moi. Une famille. Ça m'a pris un moment, mais j'ai enfin réussi à me le mettre dans le crâne. À compter d'aujourd'hui, où que vous alliez, je serai derrière vous. Pas derrière moi, Abraham. À mes côtés. Jusqu'au bout. Devant. Si possible, là. J'allais dire confidence sur l'oreiller. Pas derrière moi, à mes côtés. Butter, c'est Abraham. C'est chaud. Ah, quoique si, il sera à mes côtés, ça marche aussi. Et nous, mon putain de bouclier, là. Oh. Bah, il y a encore une instance, là. Bah non, parce que c'est une partie seulement, comme tout à l'heure. Ouais. Moi je croyais que là on allait prendre l'épée et hop on allait partir dans le machin. C'est quoi leurs épisodes de bizarre là? Bah on a appris plein de choses quand même. Que toi et Abraham vous fricotiez. Non. Et puis vu la carrure de Abraham, tu vas mal à marcher après. Tu dois prendre cher. Putain, non, putain, un event. En agression. Je sais pas, il faut aller au sud, je crois. Mais là, je suis en train de me faire prendre un coup de laser. On se prend des lasers, là. Et au passage, le tracker. Bonjour, les gars. Ça va? Oh là là, là 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 là. Laissez-moi tracer. Bim, double esquive. Oh, c'est bruitier enragé. J'ai l'impression d'être dans un chenil. Il y a toujours un event, il y a un event toujours, partout. Il y a toujours un event, il y a un event toujours, oui. Voilà, c'est ça pour résumer. Mais lâche-moi, toi. Aïe, 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 aïe. Non, lâche-moi. C'est bon.
C'est qui me cae? Oh là là, mais lâche-moi, je t'ai dit. Oh là là, je veux pas combattre, je veux pas combattre. Ah bah moi je suis obligé. Oh mais non, il y en a un deuxième qui arrive. Non mais vous êtes vraiment des raclures les gars quand vous y mettez. Mais avance toi. Mais te barre pas, pourquoi tu veux essayer de... Viens là. Oh là là, il y en a un autre qui vient genre en mode suicide. Mais vous foutez de ma gueule. Qu'est-ce qu'il me veut le chaman, je ne sais quoi là. Va crever, voilà, ferme-la. Donne-moi mon petit lapin sauteur. Là, cette brèche devrait nous permettre d'accéder aux brumes. Voilà, je suis à côté du point. Je vois Meryl. J'essaye d'arriver. T'es où toi? Toi t'es au nord. Ok, attends, je vais aider Meryl, je vois que Stap aussi. Bon, qui ne tente rien à rien. Ah ouais, putain, en plus c'est un bon... Un vieux mode de merde en plus. Un petit cran dessus. Oh mais qu'est-ce qu'il veut lui? Va défourailler ailleurs. C'est l'archer qui me fait chier depuis tout à l'heure. Mais oui. Non mais j'ai vu ça. Une fois qu'il s'est mis à attaquer, les archers, j'ai compris. C'est tous des chieurs. Hein. Bah oui, ça c'est bien connu. C'est des merdeux. Là il y a une cage des brumes. Ouais. Instance. Regardez ça, c'est tellement beau. Je la lance pas parce que je sais que Butters il aime pas la voix. Attends deux secondes Butters. Juste je vérifie un truc vite fait. Non vas-y on va continuer, c'est pas grave. Il reste... Ouais il reste 4 minutes mais on va continuer. Mais non, reviens le jeu, voilà, merci. Go. Tant pis si on dépasse, mais ça sera mis avec. Bah, là, c'est tout, le tout début de suivi de la tempête. Tu coupes ici et puis tu relances. Vas-y. Ouais, allez.